Nous sommes à Aulnay, il est 8h25, le temps est couvert, il est tombé quelques gouttes, mais on dirait que ça veut se découvrir. Ce n'est pas les conditions idéales pour marcher s'il pleut, mais dans la mesure où il fait doux, il ne fait pas trop froid, ça va aller. Bah, nous voilà partis pour une étape de 25 km en direction de Thalers. Nous marchons en direction de l'Espéron. Il nous reste environ 15-16 km à faire pour arriver à notre point d'arrivée. Il vient de pleuvoir, il ne tombe plus rien. Le temps est en train de s'éclaircir. Il fait pas froid, on n'a aucun moyen de connaître la température, mais il doit faire 14 degrés, quelque chose comme ça. Nous sommes à l'Espéron, petite ville de 1000 habitants où nous n'avons pas pu trouver le moindre restaurant ou la moindre épicerie ouverte. Nous avons donc acheté une brioche dans une boulangerie qui d'ailleurs allait fermer. Il restait deux brioches, on a mangé une des deux sur un banc en guise de repas. Le soleil est en train de sortir un peu, il fait plus doux que ce matin et il ne pleut plus depuis un bon moment. Une piste parallèle à la route, bien sablonneuse, dans laquelle on ne s'enfonce pas trop. Souvent c'est plus dur à marcher sur les pistes de ce genre que sur d'autres parce que ça, on s'enfonce, on n'avance pas. La température a augmenté, il fait 17 degrés environ. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres de notre point d'arrivée. Cheval très sociable qui vient quand on l'appelle.
Nous quittons les paysages typiques de la forêt des Landes et des forêts de pins pour retrouver une végétation plus conventionnelle. Nous sommes partis de Dax ce matin vers 8h et nous sommes en pleine nature depuis peu de temps d'ailleurs, parce que la traversée de Dax, la sortie de Dax a été assez longue. Il fait doux, il est 8h53, il n'y a pas de vent, le temps est très agréable. Et nous voilà partis pour environ 27-28 km. Petit étang perdu en pleine nature, dans un cadre champêtre, bucolique, je ne sais pas comment on peut dire, mais le spectacle est très apaisant, à la lumière du jour, pas trop forte encore, c'est très agréable. On a 26 km à faire. Les premières vaches depuis notre départ. Voilà une vache qui veut sympathiser avec moi. Il est midi 10, cela fait un bon moment que nous avons faim. On cherchait en vain un endroit pour manger, finalement on s'arrête devant un café qui est fermé. Et puis on profite de leurs chaises et de leur table pour manger tranquillement. Quitte à se faire virer éventuellement, on ne sait pas. Nous sommes à Perreauad. L'orage menace, il fait sombre, il fait lourd. Voici le gave d'Oloron. Nous sommes à environ 1 km de notre point d'arrivée. On a peut-être échappé à l'orage, il est tombé quelques gouttes, mais ça n'a pas été plus loin. Nous voilà sortis de l'abbaye et on a fait environ 10 km de plus que ce qui était prévu sur les guides. Nous voilà partis pour une autre étape, courte cette fois-ci, puisque nous n'avons que 20 km environ à faire. Il est 7h30, nous sommes partis plus tôt que d'habitude, et nous longeons le gave de Pau ou le gave d'Oloron, je ne sais pas trop. Enfin, bref, on longe une rivière, c'est pas désagréable, mais il fait très frais. Il fait 8 degrés.